On est sur Vichy, au Palais des Sports à Vichy, pour les championnats de France 2013. Je profite de cette occasion pour remercier l'organisation de Vichy, les collectivités territoriales, la mairie, le Krebs de Vichy, Cédric Oberlé, Alexandre Lepron. C'est magnifique, c'est digne d'un grand match de basket de Pro A en professionnel. Et on envisage d'ailleurs même de porter le prochain championnat d'Europe à Vichy en 2014, mais il ne faut pas en parler, c'est un secret. Un jeu double pour le championnat de France 2013, le début du processus de sélection pour les championnats du monde à Kuala Lumpur en septembre et l'incertitude de l'olympisme, ça sortira en septembre, donc double objectif dans la tête des sportifs et dans le nôtre, quoi qu'il arrive on est à la base d'une construction. Donc c'est le championnat de France, donc c'est une nouvelle année. Donc j'espère qu'elle va bien se passer et j'espère que mes nouveaux Tao seront au niveau. Donc l'an dernier à Limoges, j'ai fait Chan Chuan, Dao Shu et Baton, Gun Chu. Et ça s'était bien passé parce que j'avais fait première avec de bonnes notes. Et cet après-midi, je passe en sabre. Donc c'est un libre, c'est tout nouveau pour moi. Donc j'espère que ça va plaire aux sélectionneurs. Voilà. Libre, ça veut dire quoi en fait ? Ben c'est pas des mouvements imposés. Donc il y a des sauts, enfin les sauts sont plus durs. Et donc c'est le sélectionneur qui m'a appris ce sabre. Donc j'espère que ça va lui plaire parce que je l'ai travaillé dur. Deuxième sortie, combattant noir, vainqueur du monde, combattant rouge. Déçu parce que j'ai pas réussi ma vrille. C'est pas grave, faut travailler. Hein. Au moins, je sais ce que je valais sur un tapis et je sais quoi travailler. Donc au moment où j'ai fait la faute, là, je me dis que il faut que je travaille deux fois plus. Voilà. Donc pour moi, ce championnat de France, il m'a apporté. J'étais déçu pour mon sabre. C'est pas grave, j'ai travaillé deux fois plus pour revenir en force. Et le Manu, travailler aussi, même si j'ai moins été déçue, mais quand même le travailler parce qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Voilà. Alors Alicia, ce qui était intéressant, c'est que on a un petit problème au niveau du collectif féminin. C'est-à-dire qu'en junior, on commence à voir, mais en senior, on n'a pas encore assez de femmes pour monter une véritable équipe. Du coup, on a pris une décision il y a 3 mois de monter un optionnel pour Alissa. Et en fin de compte, le Tao Look que vous avez vu là, il n'a que 3 mois. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire un travail de senior alors qu'elle a 16 ans. Alors que ce travail-là, on l'exécute quand on a 19 ans.
19, 20, 21 jusqu'à 20, 30 ans, 31 ans. Du coup, elle a pris de l'avance pour préparer le prochain championnat du monde. On a fait un défi par rapport à Lisa. Donc manifestement, ça a l'air de bien marcher. Même s'il y a des déséquilibres et tout, il n'est pas abouti. Donc là, elle est encore en apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle équipe junior qui commence à avoir beaucoup de niveaux. Et il y a des moments, elle est au-dessus de l'équipe senior. Ça lui arrive parfois. Et donc, c'est une bonne chose. Une bonne chose pour Alissa, une bonne chose pour le collectif français et pour le Wushu français. Alors là, on est au championnat de France de Sanda classe A. On est à Vichy. Jason va combattre en premier. C'est un peu difficile parce qu'on vient juste d'avoir les fiches d'appel. Et Jason a été appelé directement. Il n'a pas eu le temps de faire sa montée de cardio. Donc là, on est en train de le chauffer au maximum de façon qu'il puisse faire son premier combat dans de bonnes conditions. C'est jamais simple de démarrer la compétition, surtout là avec un laps de temps assez court. Alors on est dans la compète, c'est parti pour deux jours et on va faire un maximum pour amener le plus de médailles pour le club. Pour l'entrée en compète, j'ai eu quelques difficultés, on va dire. J'essaie de gérer mon combat au mieux, mon premier. Je suis tombé contre Brice Wichatel, c'est celui que j'avais pris en finale en 2011. Donc, un combat que j'ai réussi à gérer. Et heureusement, parce que du coup, au deuxième combat que je viens de faire, là, que je viens de finir, j'ai pu mieux accélérer tout ça et contrôler le combat comme je voulais, quoi. Donc, sinon, pour le deuxième combat, il vient de se finir là sur un jet d'éponge au deuxième round. Mais que j'avais en face, il avait l'air de bien kicker, donc un bon pied-point. Donc j'étais un peu craintif. Mais une fois que, on va dire, les chevaux sont lâchés sans mauvais jeu de mots, que c'était j'ai pu prendre l'ascendant, quoi. J'ai mis un down, il se fait compter une première fois et après je le mets dehors et il revient pas, quoi. Là, cette année, on est 11, je crois. Donc il y a du monde et plusieurs poules, donc ça va tourner et puis. Après, on verra c'est qui le champion de France. Donc voilà.
Alors bah, mon premier passage c'était main nue. C'est pas ma spécialité, donc le but là c'était surtout de faire des sauts que d'habitude j'arrive pas à faire. Et voilà, ils étaient tous, bon à part quelques-uns que j'ai depuis longtemps, mais disons que les nouveaux étaient tous un peu limites, mais ils m'ont compté parce que j'ai tourné assez. Et c'était quand même relativement bien, c'était pas parfait, c'était pas niveau championnat du monde encore, mais déjà c'est sur la bonne voie parce que j'ai, par rapport au sélectif où j'avais tout raté, bah là tout a été validé quoi, donc c'est pas mal. Après techniquement c'est clairement pas là où je suis le meilleur, donc c'est bien de rentrer d'abord les sauts en main nue pour après les appliquer en arme, et où c'est plus dur forcément de faire les sauts, et donc voilà, je suis plutôt content. Je misais pas trop là-dessus et au final bah, ça fait quand même 9,30 et une performance pas mal quoi. Bon ouais, je pense que au-dessus de 9,50 c'est très bien. Bah, de toute façon là je méritais pas plus parce que j'ai fait quand même quelques erreurs qui m'ont été donc déduites comme ça, mais donc en championnat du monde ou en championnat d'Europe, quand on veut vraiment faire des bonnes places, faut aller chercher des 9,6. Donc ouais, faut progresser, mais c'est plus sur la technique, la vitesse et la propreté et la hauteur des sauts que sur le fait de valider les sauts. En fait, les sauts, s'ils sont validés, c'est pas les mêmes règles partout, quoi, ça marche. Après, c'est la technique le plus important quand même, donc faut rester focalisé là-dessus. Quoi. Bah, je fais des déséquilibres idiots, enfin un déséquilibre idiot en fait. J'aurais dû un truc que je rate jamais, que j'ai raté, c'est con. Et bah, c'est bien quand ça passe, et quand ça passe pas, bah, on est énervé. Quoi. C'est juste. Mais en championnat du monde, normalement tu fais une erreur, c'est fini. Tu perds 20 places, donc c'est mort, faut pas faire d'erreur. C'est pour ça que ça sert à rien. Enfin on prend pas de risque en championnat du monde parce que ceux qui en prennent à chaque fois ils se plantent. Et bah, même les Chinois, ils en prennent, enfin même les meilleures nations, ils prennent pas de risque parce que ça dure 1 minute 20. En 1 minute 20, avec le stress, c'est facile de faire une connerie, même quand on maîtrise le truc. Vaut mieux miser sur la technique où là, quelle que soit la pression, bah, si tu l'as bien fait bien, tu l'as fait bien. Et voilà, c'est toujours. Mais bon, après, bon voilà, hein, il reste c'est sûr que si j'ai fait des erreurs, il reste à les corriger pour plus tard. Hein. C'est Yves Landu, il combat en 70 kg, en catégorie de moins de 70 kg. Et ça va plus axé sur la lutte, mais il se débrouille pas mal en pied-point. Donc voilà, il est venu voir en sanda ce qu'il pouvait faire aussi. Et il est venu hier à la pesée, on est arrivé à 22h30, pile à la limite, et il avait 600 grammes de trop. Donc hier soir, bah, il a pas beaucoup mangé, il a dû perdre du poids, et ce matin, il est venu, il était au poids. Ça l'a beaucoup usé.
Aujourd'hui, comme tu l'as vu, j'étais pas en super forme dû au régime que j'ai fait la semaine. Et moi, je voulais absolument me peser vendredi soir car pour bien récupérer pour le lendemain. J'ai pas pu me peser et du coup, j'en pouvais plus, j'étais mort. J'étais obligé de boire et grignoter un petit truc à la nuit, et donc j'ai fait. Et après j'ai dû reperdre du poids encore le matin, dans la nuit et le matin en me réveillant. Je me pèse et hop, 70 kilos. J'ai le temps de boire une brique de jus. Yves Landu est attendu. Oh, moi je trouve que c'est une blague. Ils m'ont appelé et du coup j'ai directement combattu sans bande, sans rien du tout. Comme ça, à l'arraché, je suis parti. Dedans et le premier round ça allait, le deuxième round j'avoue que j'étais épuisé et c'est la première fois que ça m'arrive genre d'être épuisé comme ça. Je dis attends, j'ai fait tout ce chemin pour rien, j'arrivais à j'ai fait un régime, j'ai fait la route jusqu'à la Vichy pour perdre le premier tour, non ça n'existe pas ça, donc j'ai tout donné après ça, c'est avec le mental et j'ai gagné le troisième round, donc là j'ai le temps de bien récupérer pour le prochain combat. On va voir comment ça va donner quoi. Donc, je m'appelle Pierre Auvière, j'ai 27 ans. Donc voilà, là c'est le championnat de France à Vichy, je vais faire le tai chi en imposé, je vais faire l'épée en optionnel et la lance en optionnel. Et ben le tai chi en fait je voulais en faire depuis longtemps. C'est quelque chose de nouveau et ça me relance, ça se marie bien avec l'épée lance. Et en fait quand on mise sur l'externe, donc épée lance chan chuan. Du coup, en fait, on va miser que sur la force physique et c'est plus dur de se concentrer sur le bassin quand on fait que des sports externes. Donc là, le fait de faire de l'interne, ça va me faire progresser en épée lance. Donc c'est mon objectif.
J'ai rien raté, aucune difficulté loupée. Je suis assez content de moi. Techniquement, il y a encore des choses. C'est normal, le tai chi, ça fait qu'un an que j'en fais sérieusement. Donc, niveau technique, je sens une vraie marge de progression. Je sais vraiment sur quoi travailler, etc. Ce que je voulais, c'était pas faire d'erreurs bêtes. Les difficultés, on s'entraîne pour les réussir. Je voulais pas les rater. Après, au niveau technique, il y a encore du boulot. Voilà, en gros, c'est ça. Je suis assez content. Deux mois quand même pour ce début de compète. Là je me dis voilà, ça c'est pas acquis, mais c'est-à-dire on est sur la bonne voie, il faut continuer comme ça. Et par contre on peaufine vraiment la technique pour essayer d'arriver au top. Là il me reste lance dans pas longtemps. Et c'est important, la lance c'est important. Parce que déjà les sauts avec la lance c'est compliqué. Parce que c'est l'arme la plus longue, la plus lourde, etc. Donc c'est pas facile, mais c'est ma spécialité, j'en fais depuis longtemps. Donc en fait je suis content de passer quoi. Il n'y a aucune pression, zéro pression. Passage, ça s'est bien passé, c'était, l'énergie était là, je me suis lâché à fond. Dans les points, je n'ai pas tout bien regardé, mais ça doit être des détails. Sur une réception écart, que j'ai plié puis tendu la jambe. Voilà, c'est la structure, là le tapis est spécial, donc il faut s'habituer. Sinon les grosses difficultés, c'est passé. Ça va, je suis content, pas de la note, j'aurais préféré avoir une meilleure note, mais bon, c'est la compète, c'est comme ça. La base est bonne. La compète, ce pourquoi je suis venu, c'est validé, donc c'est bon. Donc je pratique le sanda, alors donc je fais du kung fu depuis 6 ans, mais le sanda vraiment, ça doit faire 4 ans. Et donc là, je suis là pour les championnats de France, donc je vais combattre en senior, je suis surclassée, senior moins de 56 kilos pour être championne de France. Oui, je combats plus en, je suis plus à l'aise en pied-point, surtout en jambes, où je suis plus sûre de mes jambes. Mais maintenant, je suis obligée de travailler vraiment les projections pour un international. Après, c'est vraiment ce qui me manque. Tu connais ton adversaire ? Oui, je connais les deux combattantes. Donc c'est un avantage dans le sens où je sais comment elles combattent, mais après, elles aussi. Donc ça va être surtout stratégique plutôt. Et... Ouais.
j'étais bien stressée quand même au début du combat. Mais après, c'était une combattante que je connaissais, donc je savais à peu près ce que j'avais à faire. Donc j'ai mis des points après, dès le début, pour avoir un peu d'avance. Et puis je suis contente parce que j'avais vu avec les entraîneurs de l'équipe de France, ils m'avaient demandé de bosser les projections et j'ai réussi à en placer quelques-unes, à placer ce que j'avais travaillé, donc je suis assez contente. Donc après, je combats Natacha. Je vais faire attention à ses front kicks, je sais qu'elle en place beaucoup. Et après, je vais essayer de les saisir, replacer les projections et travailler mon pied-point, mettre mes points tranquilles avec mes jambes comme d'habitude. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le champion du monde de lance qui va se produire, qui va performer en lance. Il est censé normalement faire le même enchaînement, le même taoulou qu'au championnat du monde à Macao, au 4e championnat du monde junior à Macao. Il est arrivé premier. Donc on va voir en même temps sa prestation. On va voir son évolution. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus le temps y passe. Non, c'est pas le même enchaînement, c'est le nouvel enchaînement. Boum. Et voilà. Donc, quand normalement on fait un combat avec une arme, déjà là on est battu. On est mort, on est complètement par terre, ensanglanté et tout. Maintenant, il est possible qu'il peut recommencer l'enchaînement. Mais s'il recommence, c'est par un point. C'est-à-dire qu'il ne partira pas sur une note de 10, il partira sur une note de 9. Mais il peut le faire, parce que vu qu'il n'est pas... normalement, là, on doit le coacher, on doit lui donner une autre lance, il doit reprendre. Il se passe que son comportement n'a pas trop plu aux arbitres. Le fait de jeter son arme en sortant, ça ne marche pas. C'est pas du tout dans l'esprit des arts martiaux. Et heureusement que ça se passe ici, et pas une compétition internationale. Son attitude en tant que membre d'équipe de France, personnellement, ne me convient pas. Jeter son arme et puis sortir comme ça, c'est à un certain âge, ça ne doit pas passer. Même dans l'esprit des arts martiaux, ça ne se passe pas comme ça. On perd. On casse son arme, c'est-à-dire qu'on n'a pas su la préparer, on n'a pas su l'humidifier. Bah oui, une lance, c'est du bois. Le bois, c'est quand il est trop sec, il se casse. Il fait froid, il a fait froid dernièrement, il aurait dû la mouiller. Mouiller régulièrement sa lance afin de la rendre toujours aussi souple. Là, donc voilà, Paul va repasser une seconde fois en lance. Il ne fait pas le même enchaînement que celui du championnat du monde. Là, bon, on sent la maturité, on sent aussi un peu la tenue parce qu'il y a le plexus qui est pas relâché, donc la respiration n'est pas relâchée. Et ça se voit souvent. La respiration, quand elle n'est pas relâchée, ça se voit énormément au niveau du visage. Et là, on le remarque au niveau de sa bouche, où il pince. Il pince constamment. Alors qu'on sait très bien que quand on pratique les arts martiaux, on doit être complètement serein. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il faut voir aussi comment le public chope l'énergie. Là, on sent qu'il y a un vide. On sent encore qu'il est dans la technique. On sent qu'il n'emporte pas les gens qui sont autour de lui. Parce qu'il est encore dans l'incertitude de cette technique. Et ça se trouve assez facilement. Alors, il le jongle. Il triche un petit peu avec les sauts, parce que les sauts impressionnent toujours. Mais pour une première pratique d'une troisième génération, c'est pas mal. Bravo. Merci. Alors, je m'appelle Alice Cordonnier, je suis de Montpellier. Alors moi, je suis plus point projection. Projection, je viens du judo, donc c'est vrai que j'ai pas mal de bons appuis, donc les saisies, les projections de jambes, c'est des choses que j'apprivoise pas mal et que j'aime bien. Et puis les points, je travaille la muscu pour taper de plus en plus fort et c'est aussi un des points forts. Donc je pourrais dire projection et points, ce sont mes spécialités. Oui Alice. Oui, ça va.
Bah, j'avais mon dernier combat, on était sur un round robin à 4, donc 3 combats, 2 gagnés hier, le premier en deux rounds, le deuxième sur blessure. D'ailleurs, j'espère qu'elle va bien se rétablir, c'est la même petite fracture à la cheville, la demoiselle. Et ensuite, bah, Marianne, là. Toujours la même consigne, rentrer en point directement, 30 premières secondes le plus important pour dominer le combat mentalement et physiquement. Et après, au fur et à mesure, quand je la sentais cramer, j'essayais d'accélérer. Même si moi, c'est vrai que sur la fin, mon coach me disait d'accélérer et j'avais un peu de mal. Mais franchement, très contente. Toujours, j'écoute bien les consignes du coach. J'ai bien progressé, je me sens bien. Toujours un peu le stress avant les combats, mais dès que je rentre, c'est parti mon kiki quoi. Donc, deuxième titre championne de France et maintenant objectif championnat du monde comme je disais hier. C'est bien ça la pression, c'est bien. C'est bien, tu gardes le centre. C'est bien ça. Ah, c'est ça, super. Oui. Voilà, super, tu jettes. Par terre. Jette ça. C'est pas la force, pression, pression, pression. Allez, pression, pression. Oui. Super. Ouais, crossface. Tu tombes pas, crossface. Oui. Il tombe en premier. Voilà, c'est dit. Cherche, jette ça. Tu mènes la lutte. Nickel, Jason, c'est bon. Crossface, c'est bon. C'est bon, ça y est, c'est tout. Jump. Voilà, ah. C'est bon, stop. Effectivement, c'était Fodel Saïdani. Et je le connais déjà bon, des stages équipe de France de 2011. Il n'y avait pas trop de surprises. Quoi. Et je pense d'ici 2-3 heures, la finale. Je vais voir. On est là pour chercher l'or, donc on est venu pour ça. Donc on va faire le taf qu'il faut. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et franchement, c'est quelque chose en sanda, il n'y a pas beaucoup d'échéances. Donc il y avait l'Open de France, il y a le championnat de France et maintenant il reste que les championnats du monde derrière. Ouais, super souvenir. Mais celui-là je le voulais parce que l'an dernier j'étais pas présent en 2012 parce que je m'étais blessé l'épaule. Et je voulais vraiment me prouver à moi-même et prouver aux gens que je peux gagner plusieurs fois de suite dans ma catégorie. C'est pas joué encore, mais moi là je sais les qualifications des championnats du monde, donc là je suis à fond dedans et on va voir comment ça se passe. Après, je suis pas très contente de mon combat parce que j'ai pas pu travailler vraiment ce que je voulais. J'ai
Je pensais prendre des points d'avance et après l'attendre, puis finalement j'avais du retard et je devais, c'était à moi de rentrer dedans, mais je savais pas vraiment comment lui rentrer dedans puisqu'elle m'a beaucoup projeté. Mais après j'ai réussi à rattraper les points avec mes jambes, mais c'était difficile quand même. Stratégiquement elle a été meilleure que moi, mais après j'ai réussi à rattraper mes points, c'est le plus important, mais c'était pas... C'est vrai que je suis obligée là de jouer stratégiquement et de plus... Et je peux pas gagner que grâce au physique là, c'est vraiment stratégique. Là. Je remercie quand même mon entraîneur parce que c'est grâce à lui que je suis là. Et puis donc mes gouttes de coach. Et puis mes parents aussi. Moi je m'appelle Khadija Ousmani. Moi c'est Marina. Donc on va présenter un doulien toutes les deux en Jianshu pour la première fois en France. Donc on a hâte, on l'a préparé dans notre club avec notre entraîneur. Karim Tra. Voilà. C'est nous-mêmes qui l'avons conçu, chaque mouvement. Là ça stresse un peu. Ouais, maintenant ça on est les premières, franchement. Moi je stresse, moi en tout cas. Non, c'est plus esthétique. Ouais. Contrairement aux garçons. Plus dans l'artistique. Contrairement à eux, ils sont plus dans l'acrobatie, ils sautent plus, contrairement à nous. Quoi. Voilà. C'est fini, on est passé. On est contente de nous. Super. Parce que c'était une première. Bon, après, on sait qu'il y a des choses qui vont pas. Mais. On a eu 8,50 quand même. Pour une première fois, franchement, je trouve ça bien. Moi aussi. Après, ça reste à. Il y a tout le temps des choses à améliorer. Et le public, ils nous ont applaudi, donc je trouve que pour ça nous, leur a c'est plu. Une satisfaction. On va travailler mieux et ce sera encore mieux la prochaine fois. Voilà. L'année prochaine, vous nous suivrez encore une fois. Moi c'est Maxime Franquinet, je fais du Wushu depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé en 98 à peu près. Ce qu'on fait ici, on fait les championnats de France de Vichy, hein. Là on va préparer l'épreuve de Toulien. Moi c'est Parsipal Rarishma, ça fait depuis que je suis tout petit que je fais du Kung Fu, mes parents sont les profs. Moi c'est Robin Gaillard, là j'ai 19 ans, ça fait un peu plus de 8 ans que je fais du Kung Fu. On est là pour les championnats de France de Vichy quoi. Et puis on est là pour gagner. Ça fait que 3 mois qu'on est sur le Toulian, qu'on travaille sur le Toulian. Donc ça met un petit peu de temps. Là c'est un petit test, c'est la première fois qu'on le fait en compétition. Donc c'est un petit test pour nous, c'est une motivation en plus. Voilà, c'est vraiment pas un objectif des championnats du monde, normalement, sans être prétentieux. C'est la première fois qu'on le fait en compétition, donc avec le stress, etc. L'énervement et tout. On est plutôt content. Il y a des petits raccords, des petites coordinations à régler. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est pas trop mauvais, quoi. C'est une bonne optique pour la suite, quoi.
Moi je pense que avec l'entraînement qu'on a eu ensemble, je pense que bon, il y a des erreurs c'est sûr, mais je pense qu'on a présenté quelque chose déjà de pas mal et qu'on peut vraiment l'améliorer et faire vraiment quelque chose de bon. Oui bien sûr, ouais, on va le peaufiner, on va le retravailler. Après bon, on a d'autres échéances encore pour le remettre en exercice, pour le remettre en situation, mais je pense que c'est une bonne progression, une bonne optique, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Deuxième tour, j'ai bien récupéré, donc on a vu le Yves Landu pas à 100%, mais un pourcentage plus élevé que le premier combat. J'ai mené le combat de bout en bout, comme on dit, tiercé. Donc premier round, je gagne à l'unanimité. Deuxième round, je gagne par arrêt de l'arbitre. J'ai voulu rendre hommage à Bruce Lee, qui m'a bercé pendant toute mon enfance, en mettant le même coup de pied dans le film Le jeu de la mort. Et ça a marché, et grâce à ça, j'ai fait sortir mon adversaire en dehors de la surface. Et voilà tout. Jean-Luc, ça fait un petit moment maintenant qu'on travaille ensemble. C'est un combattant qui est très agréable à coacher parce que techniquement, il a énormément de potentiel. C'est un garçon vif, c'est un garçon puissant. Il a un bon coup d'œil. Tout comme les autres années, là, il a une grosse volonté de bien faire, de garder en fait la médaille, la première place qu'il avait obtenue l'année dernière. Thank you.
Bah, c'est mon dernier combat de finale. Je rencontre Jean-Luc, qui est expert en boxe en sanda. Donc, plusieurs fois champion de France dans cette discipline, dans notre discipline. Donc, forcément, beaucoup plus expérimenté en sanda que moi. J'essaie de le contrer, de lui faire oublier son jeu, son game plan. Moi, j'avais le mien. Et ça s'est réussi. Donc, je gagne le premier round. Deuxième round, je pensais reprendre. Apparemment, mon adversaire jette l'éponge due à une blessure. J'avais une grosse soirée sur Paris avec le 100% fight. Je devais faire un grand combat dans une grande organisation. Et c'était soit ça ou soit faire le championnat de France. Donc moi, j'ai préféré miser sur le championnat de France. Pour moi, cette discipline est reconnue officiellement avec ce statut, avec le résultat que je viens de faire. Je pourrais enfin avoir le statut de sportif de haut niveau. Je suis content de moi. Je vous remercie grâce à tout. Ceux qui m'ont supporté, je suis ému encore là. J'ai eu la foi, j'avais foi en moi et donc j'ai tout donné à ça du jour. Merci. Bilan du championnat de France, autant Taolu que Sanda, il commence à y avoir un bon nivellement sur la qualité des combattants et des techniciens. Donc c'est bien parce que ça va tirer tout le monde par le haut. Le chemin est long et un titre de champion du monde, je pense que c'est 30% le jour de la compétition et 70% dans la régularité de l'investissement.